Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous? Moi espérer que nous obtiendrons bien. Depuis ce monde, Canada est indexé et en même temps sanctionné pour question mauvaise affaire. Mounsayo depuis ces 5 ans, tout commence à tourner de l'eau. Après, États-Unis d'Amérique rejoignent le pays Canada dans la sanction prend contre Matéli, ancien président PIA, Laurent Salvador Lamotte, Henri Seyan, pour me citer ça ou seulement, sans pas oublier Dio Lambert, Yuri et Latrier. Mes chers amis, tout le monde t'a demandé qui ça États-Unis dit dans le cadre de sanctions que le pays Canada prend à l'encontre des gros autobrisayo dans le pays d'Haïti. Eh bien, j'ai donné des informations que je Cyril pour partager ensemble avec vous. Département d'État américain, yo voye gros big up pour pays Canada le fait que li prend décision ça pour sanctionner individu et ça ou dit oui individu qui a incité violence avec trouble dans pays d'Haïti. Yo dit yo a soutenu partenaire yo qui c'est Canada et yo dit yo reconnaît tout. Alors États-Unis d'Amérique reconnaît yo reconnaissant envers leadership que Canada gagne pour le montrer communauté internationale mais pour aider communauté internationale là venir aider peuple haïtien prendre l'autre voie parce que dans chemin côté en pile majonjo nèg qui d'accord on prend pour yo financer gang la pays ya là yo dit que Canada li choisi lui-même à montrer international là qu'il aider li vle aider pays d'Haïti prendre l'autre route. Ça c'est département d'état américain qui parlait comme ça. Yon l'autre bord, sous Twitter, d'après l'oué, sous secrétaire d'État Brian Nichols, qui t'a dans le même sens pour le dire, li félicite partenaire proche li qui c'est Canada. L'enek sa ou parle, faut nous connaître, c'est États-Unis d'Amérique qui parle. Li dit li félicite, alors yo félicite partenaire proche yo qui c'est Canada, le fait qu'il choisit imposer sanction sa yo avec individu qui choisit la pays d'Haïti dans Kachouboumbe côté le trouver là là. Yo fait connaître que États-Unis reconnaître après été reconnaissant pour comprendre pour envers leadership pays Canada et en même temps pour concentrer communauté internationale là mes chers amis pour montrer que Canada livre mettre pays d'Haïti dans l'autre voie. C'est comme ça représentant les États-Unis d'Amérique, c'est comme ça yo parler. Et bien, faut me dire tout de suite après big up ça, est-ce qu'on connaît? Nous mettons le checker sur Matéli, oui. Problème monsieur vient puis augmenter, oui. Nous mettons le checker sur parce que dans moment là, nous devons monsieur sérieux l'état après les sourds parce que malgré gain l'âge vrai, mais fini c'était bien frais. Depuis après, mes chers amis, sanction ça au Canada lancé à l'encontre ancien président Matéli. Est-ce qu'on connaît monsieur Kou et c'est rat qui prend dans l'huile chaud? Est-ce qu'on comprend? Monsieur a dépatché oui d'un seul coup oui suite avec ça qui aurait reproché lui oui monsieur pensait on prend c'est tout le temps t'as bien couru et puis t'as bien beau à la base la t'as facile pour n'en courir pas t'as bien bouqué à la t'as facile mes chers amis. Eh bien faut me dire Laurent Salvador Lamotte lui-même qui tendait que États-Unis d'Amérique lui applaudit sanction que Canada prend monsieur still continue à frapper porte a demandé aider parce que ça yo dit on est là dans yo la financer yo ni pas connait yo bon sou pas reconnaître yo et Laurent Salvador gagote ou a plein ou innocent et moi coupable là ti nèg tout prêt là lui même qui coupable k'ap bay bandi zam k'ap bay bandi cartouche pour yo fonctionner k'ap bay ou l'argent tout a dit ouvert tout temps ça ou imagine parce que Laurent Salvador la mort jusqu'à présent il fait connait ça que Canada reproche là c'est un outil politique. C'est une façon qu'il a fait là pour balle en persécution politique suite avec approche positionnement depuis après l'ambo ancien président Jovenel. Il dit en pile monde pas content le fait qu'il t'ait demandé avec international là pour venir diligenter une enquête bien pressée sous assassinat ancien président Jovenel là et depuis là ça la prend mauvais frappe. Il s'est fait connaître que Canada quitte le suivre par un mauvais onde. Li suiv pa un mauvais signal qui vient perdre li abouti malpropriété ça dans figi moun. Ça c'est comme ça que Laurent Salvador Lamotte lui-même dit estimé l'on pour un pays qui est Canada qui bien estructuré, un pays qui pas dans fait buzz qui pas dans créer sensation,
yo al tan men yon investigation, yo jwenn rezultat an tout prèt moment et investi le total an tout prèt yo jwenn rezultat, yo akouchel et bien Laurent Lamotte lui-même li pa ka brèl, li pa d'accord et mouchi a mes chers amis, li vle comprendre vann bon Dieu journée en façon pour capable laver nous parce qu'elle dit dans ça qui implique là c'est pas celle lui-même c'est toute une famille et imaginez États-Unis d'Amérique qui embrasse ces sanctions ça que Canada bail ensemble avec monsieur ça yo kounia là même Laurent Salvador Lamotte qui chargé bien dans pays États-Unis bon sous de monsieur gain comme c'est grâce avec pays tonton Sam qui bal opportunité li investi fait business kounia là pour t'attendre tout bien ça ou ta gelé bien frais. En tout cas mes chers amis, c'est comme ça bagaille là yé, l'o pas faire response c'est tout normal, on prend l'o pour gè raison devant crasse et devant crasse Jean Grand Moun yo dil, et bien li simple oui, formule là c'est bien pour bien, mais nek ça ou te penser, c'est chaque jour Timali t'a porté bon siwo, c'est on prend chaque jour mouche Timali t'a toujours bon bombé, et bien Canada li même projectel sous tour ça yo et même gon bagaille qui vraiment indigné, me faut pas parler de ça. Imaginez, si n'pa de justice qui marie dans pied table même nek sa ou k'ap financer gang yo, c'est pas Canada non qui t'a supposé venir prendre sanction contre nek sa ou. Ou est passé ULCC. Ça important oui. Gon paquet instance, paquet organe judiciaire dans pays d'Haïti, m'pense yo même, si pas de chèque mort, yo t'a joué dans mes autobre sa yo, c'est eux même qui t'a supposé prendre décision parce que bagarre la fait clair. Ou imagine ou, pendant 5 dernières années, on regarde bien. Depuis que c'est moun qui la pour arrêter dans qui sont mauvaises affaires, yo tout ces bons partenaires, ou bien qui qu'on a joué domino, et on man joué 4, joué casino ensemble avec ancien président Jovenel, lui qui n'a même rien avec Laurent Salvador Lamotte, oui. Moi, m'a dit ça clair, oui. Depuis les matérialités fait musique pour la on prend promouvoir bandit dans pays d'Haïti musique avec les bandits légal. C'est depuis là ça c'était gain autorité, c'était gain en justice qui ferme. Depuis là ça c'est soit on demande de rentrer musique avec sanctionner vagabond oui à l'époque parce qu'on est cap dit bandit légal, cap prôner bandit, cap vendre bandit, cap promouvoir bandit, n'est ça pas qu'à gain l'autre nommé qui on vagabond. En tout cas mes chers amis, c'est comme ça et forme d'où là tout, gain gros pétition qui pral signer. Nan moment m'a parlé avec nous là pour mander Luis Abinader qui président Saint-Domingue pour le rentrer dans même logique ensemble avec pays Canada. Et sous tande, yo rentrer dans même logique là parce que yo estime qu'il tape vraiment bon et forme dou là pendant gen gros escombre de ça côté Canada saisi bio paquet zotobre forme dou gen un média qui choisit lui même parler sous investissement ou bien sous on comme des oui investi l'argent que on paquet zotobre investi dans pays Saint-Domingue. Tendez bien oui, gen plus que 1 milliard dollars américains qui investi dans question acheter caille dans pays Saint-Domingue par un paquet homme d'affaires haïtien et ça dans classe politique là. Pendant dernière année si là yo. C'est ça un diplomate dominicain qui le José Lamia fait connait. A dit ou imagine qu'on y a là là où il y a peut de déporter tout haïtien ça yo dans mauvais condition, il y a battu, il y a tué yo, où est Ariel Henry pas ka parler, où est pas aucun nèg qui gen poste qui autorité dans pays d'Haïti, yo gen yo pas cracher même un mot, yo pas pipé même un mot pour parler français, c'est pas pour sans raison non, yo pas veut sacrifier Claude Joseph là pour pas arriver yo et Claude Joseph rentrer dans Begonio tout oui. Claude Joseph a l'aide des Samson dit nous là puisque un milliard de dollars américains qui investit dans pays Saint-Domingue dans question acheter caille. Bon nous l'autre boss ça gonbaye Airbnb. Bah et écoutez dans paradis oui, en pile haïtien politicien nek ki nan diaspora nek ki nan secteur privé. Yo fait affaire oui, acheter combien millions oui et ben faut me dire là, me des bon détails sur Garcia Delva, pas même besoin du coup Joe Lambert et la trier. Elle dit on est cou un animal politique ça pour Jean. Il y a maltraité haïtien l'autre bon ça pour même on tweet ou pas jeune monsieur fait pour le montrer le pas d'accord ça qu'a passé à le faire mengel pour qu'il ça pas pour sans raison parce que sacrifier Claude Joseph là va taimer arriver avec ça ou imagine ou gain tout bien ça on a gain 4 caille dans pays Saint-Domingue ni gain 5 pompes gasoline cap bal l'argent pour ta faire un tweet simplement depuis vous t'as dit pas mettre pied dans pays comme ça encore ou imagine ou nek ça qu'a réalisé amis fusier tête de oui et bien Claude Joseph aller dans même sens pour le dire et raison ça oui qui fait faux politiciens et hommes d'affaires haïtiens, pas qu'à dénoncer mauvais politique raciste, Luis Abinader comme compatriote haïtien nous yo. Toute richesse sur Saint-Domingue, ici, il y a tout le président, créer instabilité et puis il y a sécurisé bien Saint-Domingue. Voilà, j'aime vle m'rete comme PM
Ça c'est parole Claude Joseph après le fin tendé information qui me saute ba nous là même monsieur saisi oui. En tout cas, moi me dit ça clair, journellement que pays Saint-Domingue lui choisi rentrer dans même logique Canada, grand pile nèg en vérité, on renoit état silkin avec et citron de couper diarrhée, pas ca gagner médicament pour ça même. L'opéra une pas efficace parce que nèg ont bon diarrhée naturelle, nèg ont bon trouble mental et gain carrefour. Mes chers amis dans le pays d'Haïti, gagne pas fou sans tout wale. Bon pas connait, mais imaginons Luis Abinadel un bon matin, met un rapport d'ailleurs pour citer quelques nos autobri qui yo identifié qui dans question mauvaise affaire financer gang dans pays d'Haïti et qui vinn yo menace pour l'autre Brésilia. Dit ouais, Luis Abinadel gain tout accès oui pour ta faire même bagaille que Canada fait ya. Parce que imaginons les nèg yo fin créer gang pa bo la caille après les gang la fin pi a fait qui bol vle al vivre li vle passer dans rage pour aller entre voisine Luis Abinadel souke kontande et pétition ça li pa loin signé pa loin voyé dans bureau Luis Abinadel pour demander le temps pour souple garder s'il rentrer dans même sens que pays Canada rentrer ya yo le petit nèg en tout prête là voix information accusation c'est pas même des accusations yo dépasser stade accusation qu'on y a c'est des sanctions que pays Canada prend contre trois personnalités ou c'est une yo ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Jean-Henri Séan et non cité la donne tout ministre affaires étrangères que pays Canada Mélanie Joly spécifiquement dit que sanctions ça c'est pour empêcher nous continuer à financer gang et à supporter gang qui ont même à péter la trouble dans le pays d'Haïti dans moment là. Qui ont réagi à sanction ça? Bon, moi-même, c'est avec un pile choc, avec surprise, que je m'apprends une nouvelle là, parce que c'est sur Internet, c'est dans un WhatsApp pour mon nouveau et que je m'apprends une nouvelle. D'ailleurs, c'est une nouvelle pour moi. Et parce que Laurent Lamotte, c'est le plus gros cauchemar que gang dans le pays d'Haïti, déjà, pendant 31 mois, je fais. Comme premier ministre, et ça, tout le monde doit reconnaître, niveau criminalité a été passé à zéro pratiquement. Gang était en déroute. D'ailleurs, je crois que c'est le seul premier ministre qui campe en face de gang. Puis, gros réseau gang qui était le gang Galil, nous avons arrêté le chef gang qui était son son famille, qui était dans la prison pendant l'année de là. Deuxième big réseau kidnapping, c'était Clifford Brandt, si nous songeons. Et c'était un gros potorique et oligarque qui a eu un problème dans la question kidnapping. Eh bien, le gouvernement a arrêté monsieur. Et puis jusqu'à présent, il a condamné à 18 ans de prison pour question criminalité dans le pays. Donc, pour jouer aujourd'hui, pour que le gouvernement Canada, pour moi-même, il a induit en erreur. Et un là pour moi, parce que nous commençons à faire des investigations pour nous connaître côté ça a sorti, parce que c'est un choc lié. Et c'est pratiquement une blague de mauvais goût. Parce que là, ouais, qualité de monde qui commence à dire que oh, c'est eux qui te baillent, non, c'est eux qui te fait ceci, c'est eux qui te fait cela. Ou tout ouais, son lynchage politique, une forme de revanche politique à fait là. Parce que je connais que continuons à. Continuez. Monsieur Lamotte, permettez-moi simplement rappeler que il s'agit de un pays. Il s'agit de Canada. Il n'y a pas fait des accusations. Il n'y a pas pour sanction comme ça. Pour avoir une sanction, sûrement il faut qu'il y ait des évidences. Il y a des preuves. Moi-même, ça me t'a passé. Tel bagage. En droit international, avant que vous accusez un monde, il faut que vous fassiez enquête, il faut que vous fassiez une investigation. Or là, il y a zéro preuve, zéro enquête. Il y a pas gagné un homme. Donc c'est pour ça que je dis que son revanche politique par un petit noyau qui est Canada, il commence à mettre tête dehors. D'ailleurs, nous constituons une batterie d'avocats pour que qui prenne le reste en main, qui prenne clarifier la question. Ça, parce que tout le monde connaît Laurent Lamotte pas dans gang. Laurent Lamotte maté gang, mais Laurent Lamotte pas dans gang, c'est collé avec gang. Ni l'MD là, ni Jodia. Donc, quel que soit, que ce soit le gouvernement Canada, il faut vérifier les sociaux. Là, il y a des mauvais monde. Il faut vérifier les sociaux. Et si vous faites une investigation, vous avez connu que le long de la montée là, pas de question. D'ailleurs, gang yo qui était là, que nous devons joindre. Vous avez plus d'âme que la police. Nous équipons la police là. Nous battons la police là, moi.
pour que Haïti qui était pratiquement dernier dans Caraïbes qui était plus insécurité vienne deuxième pays plus safe dans Caraïbes et tout auditeur auditrice tout monde qui a regardé l'émission là dans VOA créole capable constater que de 2012 à 2014 l'homme était premier ministre te gagne l'ordre de discipline monde qui doit rentrer en Haïti j'en voulais pas de problème question de gang qui a bloqué quatre départements dans pays là d'ailleurs nous même c'est question touriste avec investissement d'ab gérer et pour nous gérer ça faut de gagne un contrôle de sécurité pays là nous fait de sécurité nationale soit le bataille donc je ne jodi a pour mon habitude gang son bagage qui sont blagues de mauvais goût que lié irrisible. D'accord. Ou dit que son blague de mauvais goût. Donc, ou passé et ou sous-estimer sanction. Ou du moins, ou dit que, ma propre peut-être sorti d'Italie là, gagné. Ou pensez que le gouvernement canadien, plus précisément, le gouvernement Canada, mal informé, ou dit qu'on a une batterie d'avocats qui évidemment prend ça en main ou a investigué. Et qui sont vous dit par là? Est-ce que ou met en question sanction ça yo et même accusation ça d'abord c'est parce que yo accusé d'abord et qu'on y a pu venir prendre sanction contre tout ou met en question tout ça que le pays Canada fait parce que pas oublier nous joignons le premier ministre Justin Trudeau qui était chita ensemble avec le ministre des Affaires étrangères là et madame Jolie qui au même tout a annoncé ouvertement que prend sanction contre nous trois on nous dit mais comme c'est avant on a parlé avec l'ancien premier ministre Laurent Lamothe ou même et est-ce que ça veut dire que Canada il semble que le pays Canada gagne yo by blague des fois politiquement, elles sont en sérieux. C'est qu'on s'en non. Non, je ne prends pas mon blague. Au contraire, c'est pour ça que je dis blague de mauvais goût. Je prends très au sérieux. Ok. Et mais j'ai des positions que je prends l'homme quitter le pouvoir. Ok. Je ne pas rentrer dans la politique du quotidien. Ok. L'homme est démissionné, je retourne dans la vie privée et je m'occupe à affaires privées. Cependant, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, moi, je prends une position publique. Et position, ça a dérangé plus d'un de gouvernement actuel là. Parce que le mandat de justice pour Jovenel Moïse, moi, je demande un tribunal international qui pour identifier avec juger les gens qui ont assassiné le président, il a dérangé une série de monde dans l'opposition, tant coup dans le gouvernement. Et l'homme commence à regarder ce qui a passé là, pour moi-même, il est clair que nous avons un cas de revanche politique. Parce que l'homme fait déclaration, l'homme prend position, ça, c'est une position de principe que bon. Et puis, Laurent Lamothe, tout, deuxième position que je prends, c'était une position de principe vis-à-vis de gang en Haïti. Et me demandait, mais c'était le premier monde qui m'a dit aide. Communauté internationale là pour y envoyer une force spéciale d'ailleurs sur compte Twitter à Laurent Lamothe nous allons vérifier demander une force spéciale internationale pour venir courir la police là pour venir finir avec le phénomène gang là parce que moi juger que c'est seul moyen pour nous remettre sécurité nationale dans le pays là donc de ça qu'on y a là moi prends les plus grands médias internationaux OK pour me goûter pour cause sécurité pour pays là pour m'goumer pour cause, voyez, une assistance par la police nationale avec l'armée, remembrer, par l'équipement, venir avec force spéciale, pour mettre en face gang, pour finir avec le kidnapping. Et puis, deux semaines après, pour m'entendre que le gouvernement Canada a dit que moi-même, dans le financement de gang, moi-même, gouvernement Canada, si c'est ça, mettez pour un vieux public. Mettez tout ça dossier à public, pas qu'un dossier en catimini, mettez le public parce que pas qu'un dossier. D'accord. Et moi demandé pays Canada qui justement ça. Moi demandé pour mettre preuve que gagne hein, public, ça c'est un et deuxièmement, moi demandé tout pour que ça relé du process. Avant attaque au monde, faut bon investigation qui fait parce que n'importe qui criminel dans le monde mais avant de mettre sanction sur lui, il y a une investigation qui fait. Deux investigations qu'on y a là, on vient avec un dossier, on vient avec des indices, ou un motif. Là, ou pas en église au matin, et pour allons-nous là, non, parce que non, ça, ok? Moun qui, justement, ti noyau ça, qui dans Canada, qui au même dérangé énormément par position, que m'te gagné yo
yo servi avec plateforme yo ensemble avec premier ministre Trudeau pour yo indi monsieur Anywhere. Et c'est là que nous voyons là avec yo. Mais le prochain jour là bien pour ouais ça qui passé. Moi même m'étonné, moi choqué pour moi que ministre affaires étrangères Généus chita à côté Trudeau et puis pendant il a pas annoncé des sanctions contre un ancien président avec deux anciens premiers ministres. Et puis moi la petite déclaration que l'a fait pendant que c'est Michel Martelly qui pratiquement imposé Ariel Henry by comme pour venir premier ministre de pays. Donc c'est le monde à l'envers. Intéressant, d'accord, nous pouvons venir sur ça. Mais on dit quand même, nous devons demander, on dit continuer dans le Canada qui a même influencé ou bien induit en erreur le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre canadien. De qui est-ce qu'on parle, Simon Do? Qui est-ce? Bon, on est que nous constituons un cabinet d'avocats, nous avons une investigation qui est en cours, on a bien pour recevoir l'annonce dans la prochaine semaine au cabinet. D'accord. Maintenant, on se dit tout à l'heure, là, je suis d'accord avec vous. Pays Canada qui quand même est noué que pour le ministre canadien Justin Trudeau, ministre des Affaires étrangères là, madame Mélanie Joly, il n'y a pas de figure pour faire accusation. Ça, ou du moins, si vous prenez sanction, ça, yo. Donc, mes amis, il faut avoir une investigation qui t'a faite, ou dit tout, ou demander ça tout. Et c'est ça qu'on a essayé de faire là, pendant qu'on prend un avocat, ou demander qu'il vienne à preuve, yo. Mais quand même, pendant que vous avez insinué tout dans la sanction, yo, que des gens qui ont comme ancien premier ministre en Haïti à l'époque, ou t'as des influences, et puisque on a rappelé que le premier ministre lui-même c'est lui qui est chef CSPN, c'est ça? Comme chef CSPN, est-ce que ou t'as des influences, des contacts avec des présumés chefs gang? Et bon, c'est une question que je me pose. Est-ce que même ou j'aime, puisque comme premier ministre, ou t'es quand même en proximité avec collectivité territoriale, ou t'es contrôlé en quelque sorte pays, sécurité pays, on se dit là. Donc, pas de gain et connexion avec gang, chef de gang, que peut-être ou pas de connaît, volontairement et involontairement, Laurent Lamothe. Donc, soyons concrets. L'homme de là, chef de gang, c'est dans la prison qui était. Donc, nous pas de tête là avec chef de gang. Par exemple, sous son jeu, bandit Anel, village de Dieu, qui crée toute qualité de problème, et même dans la prison, l'homme de là. Tout bandit gang Tchétchénie, qui d'abord opéré dans tout ça, c'est dans la prison que vous avez. Donc, nous n'avons pas gagné aucun parler pour nous faire. D'ailleurs, nous avons une politique de zéro tolérance contre gang. À l'époque et jusqu'à présent. Donc, je me trouve très déplacé pour un gouvernement, sans pas même faire une investigation, sans pas même un seul document dans mail, pour la prendre parole dans des opposants de notre politique, dans le petit noyau, ça m'a parlé, il n'a bien pour nous arriver sur pour que. Yo vinn sanctionner des mondes alors que Canada son pays son état de droit. Canada son pays côté que quand même au moins faut que tu aies un processus qui fait pour pas accuser un ancien premier ministre mon pays et accuser et là m'a parlé pour Laurent Lamothe. Là tu as bien pour parler peut-être mais journée aujourd'hui moi même bilan sous lutte contre la criminalité son bilan qui irréfutable. Donc pour essayer associer avec des gangs généraux, ou même c'est une ineptie et son absurdité totale. Et c'est pour ça que nous allons défendre jusqu'à la dernière minute, ok, pour la vérité qui a passé. D'accord, c'est ça que nous avons fait là tout. Merci parce que vous avez aidé nous faire dans VOA la Voix d'Amérique. Mais pendant que tu es premier ministre, chef CSPN, où tu es dit, où tu dit là, et l'histoire quand même, où noté que tu as fait arrêter une chef gang qui t'a relé, et tu n'as pas joué quand même. Et ce sont la famille. Mais vous êtes lâché finalement. Donc c'est sous même gouvernement que vous êtes lâché. Vous êtes lâché. C'est-à-dire que. Oui, Valérie, ça a son très bonne question. Et on nous précise sous date. Ok? Moi, j'étais premier ministre de mai 2012 à décembre, à 12 décembre 2014. Pendant le bilan, ça a Haïti passé pendant. Mai 2012 à décembre 2014, moi-même, je suis capable responsable de période ça, ça qui passe dans la période ça. Ça qui passe avant, ou bien ça qui passe après, je ne suis pas responsable. Lui, il vient laguer son la familia en avril ou bien en mai 2015, donc 6 mois après aller. Donc, je voulais préciser sur ça. Moi-même, moi, c'est un homme qui milite, qui goumet pour que nous. Ramener un climat serein. D'ailleurs,
tout le monde qui a été là, qui est dans New York, qui est dans Miami, qui est dans Canada, qui est dans Atlanta, tout le monde qui a fait vacances sur Haïti, qui est posé. Il était allé en province, il était allé en fête de champêtre, il est posé. Pour ça, parce que c'est un travail qui t'a fait. Au plus haut niveau. Et ça, nous assumons. La police, nous travaillons de manière très proche avec le gouvernement canadien, avec l'ambassadeur canadien, avec chef, assistant chef ministère qui est au Canada. Il faut aller les gens pour demander est-ce que Laurent Lamotte est jamais en connivence de près ou de loin avec une gang? Ou bien est-ce que Laurent Lamotte a travaillé pour payer la sécurité? Il y a même là, il y a témoigné de ça. Donc, ou pas carrément tout sale monde avec sale famille au monde, basé sous zin, avec sous monde qui a pris une revanche politique sous. Ça inacceptable. D'accord. Pour un gouvernement, pour prendre des mesures comme ça. Et puis, même au minima d'information, il va chercher plein, il va chercher contre monde qui a sanctionné. Parce que si tu as cherché contre monde qui a sanctionné, il va falloir que j'aime tomber sur le Lamot. Le Lamot pas toléré gang. Nous comprenons ça. Le Lamot est full sécurité. Nous comprenons ça. Tout à fait. Mais, en nous quand même, bayo le bénéfice du doute que. Yo takam quand même nous pas connait moi même avocat fait interview ça là nous pas connait si yo pas mené investigation est-ce que si yo gon investigation qui yo mené et alors bon pose une question peut-être on l'autre genre d'ailleurs on répondait en partie mais pour essayer ouais qui genre qui l'autre partie que nous déca joindre mosso dans réponse dans mais on dit que son secteur un groupe dans Canada qui peut être un financé gouvernement canadien mais basé d'après ou même basé sur qui ça yo fait accusation ça d'après ou même l'on regardé l'on après qu'on prend nouvelle là ou dit son monde qui voit le bas ou dans WhatsApp après qu'on a au chita calmement ou réfléchi dans tête ou dans réflexion ou dit tête ou mais sur qui ça yo basé l'on pose tête ou sur qui ça yo basé pour yo fait ou bon pas même accusation prend des sanctions quand tout qui répond au joine ciblage politique ou revanche politique et puis yo pas aimé position sur question assassinat président Jovenel Moïse là. Donc faut que gagne un gens pour éliminer politiquement et gens qui plus facile là c'est ça c'est induit mon en erreur, ouais. C'est venir avec d'ailleurs c'est servir avec plateforme d'ailleurs hier m'a attendu et un député qui t'a parlé dans journal 4 qui t'a expliqué que oh lui-même yo fait ceci cela, c'est eux même qui viennent avec sanction et tout. Donc de toute façon, nous pas parler trop de détails. J'aime dire dans mon cabinet d'avocat qui travaille et la vérité a sorti parce que tout menti par un fond et m'a dit va aller plus loin avant pas de lui m'va aller plus loin dans l'interview que me fait sur CNN avec Al Jazeera moi supporter des marches sanction parce que moi dit que sanction yo c'est un moyen efficace pour capable empêcher moun qui finance gang cap créer insécurité pour continuer à faire. Mais supporter le régime sanction. Ça, c'est un. Mais, faut nous faire attention, l'un a sanctionné le monde pour nous dossier, pour une investigation qui fait avant. Ou pas capable de sanctionner pendant que ou pas investiguer. Et là, il vient dangereux. Parce que là, on a fait innocent payer pour coupable. On a bien mauvais monde. Et là, Mounsa a lui-même, parce que c'est un pays qui a droit, Mounsa a lui-même a droit de défendre. Et c'est ça que nous avons fait. Et c'est ça que nous avons fait. Parce que essayer d'impliquer non Laurent Lamotte dans la question gang, c'est injustice à faire. Et ça, nous trouvons que son injustice énorme que le pays Canada a fait. Là, par exemple, l'autre déclaration et ministre des Affaires étrangères qui dit comme ça. Et que aider nous retirer dans le cauchemar. Ça. Donc, c'est Laurent Lamotte qui parle depuis 8 ans, qui pas dans le gouvernement depuis 8 ans. C'est Laurent Lamotte, le ministre de la tombe pour le monde de retirer le cauchemar. Pendant que le ministre de la Justice, qui est responsable de la sécurité dans le pays, lui-même, il est impliqué dans le kidnapping avec la criminalité. Ce n'est pas même qui fait. Et c'est pas même qu'à m'accuser tout, parce que je ne vais pas m'accuser, mais m'a questionné le fait que qui autorité morale au monde gagne pendant que en deux gouvernements ça gagne n'importe il y a plusieurs ministres dans une cité dans criminalité et nous ouais et tapé il y a autre monde pas même qu'à sortir la cali
kidnapping, il y a plus que 1500 kidnappings qui fait dans 18 mois. Pays à tête en bas. Donc c'est sous moi même que vient tomber côté pays à tête puis j'ai rien plus sécurité. Côté que monde te cap comme si n'ta pas de zone de non droit, pas de matissant. Village de Dieu son côté m'était aller même ma distribution pour aller faire distribution kit alimentaire pour m'aller parler avec jeunes yo. M'était aller là en visite. Pas de gain qualité guerre ça rien là. Côté que monde ou bien, regardez, il y a 4 départements dans le pays qui sont bloqués depuis presque un an et demi. Imaginez la population, les populations départements, ça y est, sud-est, sud, grand-dense. Imaginez où, et on part dans l'ouest là. Donc, c'est qualité, vous avez fait ça, les gars, chercher dans ce monde. Les gars, vous avez comme Dadou, tant qu'on les mange, non? Parce que une bonne position pour la mort Jovenel là. Donc il faut éliminer politiquement pour ça. Je comprends. Mais d'ailleurs, c'est une autre raison. Parce que ça va passer. D'accord. Nous avons décidé et ou répété plusieurs fois dans l'entrevue ça, ou bien, et on va prendre des recours légaux. C'est-à-dire, ou bien, avocat qui peut mener question à la justice face à pays Canada. Mais à nous, maintenant, on doit répondre ou pas répondre à la question. Ça, ce n'est pas au même seulement. Et c'est toi, non, alors. C'est toi, non, ça, qu'on y a un moment là qui a fait actualité. Non, ça, nous n'a pas cité, c'est ancien président Michel Martelly et ancien premier ministre Jean-Henri Séan, lui-même tout. Ce n'est pas au même seulement. Et réaction vis-à-vis de l'autre, de Mounzaïo, et on parle avec eux au courant, nous échanger, aussitôt que nouvelle dans sorti, ils ont concerté l'autre. Qui réaction vis-à-vis de l'autre, non, ça, Michel Martelly, par exemple, les noms dans l'islam, hein, qui ont réagi. Mais pas un rapport avec M. Martelly depuis plus que 18 mois. Donc M. Martelly a bien pour bien stratégie, je suppose, mais moi-même, chaque monde, d'ailleurs, dans la justice ou dans le droit international, vous ne pouvez pas faire ton gars, j'en ai fait là. Chaque monde pour un dossier, chaque monde pour un décharge. Sinon, c'est dans la politique. Moi-même, je parle pour tête de ça, je connais. Et de ça que tout pays, avec toute diaspora, je connais. Et premier ministre, on pas que beaucoup parler avec elle. Et nous t'ai échangé il y a quelques semaines de ça, mais beaucoup parler avec de ça. D'accord, on s'y parenthèse bien vite pendant que tu as parlé, on dit qu'on pas gain rapport avec M. Martelly bien que tu es premier ministre et pendant que tu es président ou tu es premier ministre li, ou nous travaillons ensemble quand même. C'était quand même à l'époque la belle équipe. Donc pas gain relation encore, pas gain rapport avec Martelly. Est-ce que nous demandons pour qui ça? Bon, effectivement, pas de rapport avec M. Martelly depuis 18 mois. Et moi-même, moi j'étais très déçu de M. Martelly après la question de la mort Jovenel. Parce que M. était choisi d'être en silence. Et alors que moi j'étais jugé que pour une qualité assassinat spectaculaire comme ça, eh bien, monsieur, pour moi, ça c'est mon humble opinion. Monsieur Tédoué sorti parce que c'est lui-même qui a choisi Jovenel Moïse, qui était allé chercher tout du Nord, okay, pour devenir occupé fonction de président. Donc, moi-même, qui suis solidaire, moi-même, qui suis goumé pour moi. Et moi, j'étais déçu. Donc, c'est une déception personnelle que j'ai gagné de ça, qui fait que le président Martelly, moi, pas gagné aucun contact avec lui depuis plus de 18 mois. Plus de. D'accord, bien que quand même, on ne parle pas de la perception. Depuis la mort Jovenel, d'accord. On faut-il parler de perception? Permettez-moi de parler de perception, parce que perception, car il y a de fois, reflète la réalité. Bien que quand même, il y a quelque part, souvelé la clameur publique, et impression, perception, toujours associée avec Michel Martelly. Regardez, je dis là, ou dans l'islam, parmi les noms eux-mêmes, Michel Martelly, ancien président, et Jean-Henri Séan, ancien premier ministre. Quelque part, pendant que vous êtes premier ministre, chef CSPN sous la présidence de Michel Martelly, il y a quelqu'un qui doit dire que mais ou t'as travaillé de conseil avec Michel Martelly, eh bien nous deux là nous t'as bien travaillé puisque vous t'as parlé, vous t'as dit que tu étais en sécurité dans le pays, notamment arrestation chef gang et bon présumé chef gang, il était arrêté sans son la familia et Brandt, etc., etc. Ça pas entré quand même dans la logique de la présidence et du premier ministre. C'est quand même un travail que nous t'as fait un concert, deux concerts. Nous pas qu'à dire. D'ailleurs, encore une fois, on a parlé de ça qui passé. Lundi là, le président Martelly était choisi pour me déposer le ministre. Il était venu par un coup de main. D'ailleurs, c'est dans ce sens que je devine entrer dans la question. Je ne suis pas un politicien. Moi-même, je suis venu pour me déposer.
parce que m'étais ouais après tremblement de terre à terre à genoux et l'aime bien entrer tout le monde dit pas rentrer parce que et gain en pile problème dans politique pays a Haïti son pays mangeur d'homme est-ce que monde quoi pas rentrer avec c'est des monde bien même vision avoir et donc moi même était de manière moi son nationalisme moi pays moi dit bon j'aime un pays là pas pour contribuer expérience moi expérience et surtout en gestion parce que quand même j'étais une licence en sciences politiques et me dégon société que me créé tout depuis 1998 que me t'a opéré nous songer nous même dans diaspora te gain nopin longue distance et mais nopin longue distance c'est m'té une partenaire yo donc nous t'ai décidé et vinn ba un coup de main donc bilan là c'est bilan pam et c'est bilan président Matelier tout mais ça c'est l'homme de là après le maléa toute décision qui prend yo pas impliqué Laurent Lamotte ni de près ni de loin. D'accord. Mais une décision, on vient sous une décision. 12 décembre 2014. On précise date là 12 décembre 2014. D'accord. Nous retenons date ça. C'est ça pour quelqu'un qui peut-être a regardé l'interview ça qui veut faire ça relier en anglais fact checking. Il a vérifié les faits. Absolument. Bon décision côté prend quand même. Monsieur Lamotte, c'est une décision à nous qu'a dit qui est lié avec gang. Nous parlons de des éclaircissements sur ça. Et il y a même un ancien député qui a même fait des accusations. Ils se font paraître dans la presse. On a parlé du député, ancien député Anel Belizer qui était accusé ou était commandé une cargaison d'armes sorti dans le pays Israël, si je ne me trompe pas. Et des armes que vous rejoignez dans mes bandits. Qui soit qu'à dire nous, deux questions ça. Ou quand même, tu as commandé des armes sorti Israël. Pour qui ça et dans quel contexte? Et je dis, on a regardé qui j'en gagne, il y a des gros armes, fin de fois, dans mes bandits. Il y a des accusations, des perceptions, même qui t'a dit ces armes, c'est qui n'en mets. Qui j'en qu'à répondre à l'accusation ça? Mon premier bagage m'a dit c'est que faut nous garder et qui est-ce qui a fait accusation premièrement parce que si monde qui a fait accusation Anel Belizer bah c'est pas monde son monde que tout le monde connaît son monde qui était en prison justement pour trafic illicite d'armes son monde qui passait dans manifestation avec mitraillette Galilée au contraire si pas trouver c'est même Galilée ça te commander pour PNH qui vient retrouver dans main individu ça et que te vin arrêter Jacques que rejoindre un pile zam fond fois dans mel absolument un paquet mitraillette dans mel alors que mitraillette gien but exclusif pour la police nationale d'Haïti et mais élément ça a te vin retrouver avec un dalle mitraillette côté jeune mitraillette yo pour demander ça côté jeune mitraillette qui était dans mel côté jeune. Est-ce qu'un civil doit gagner mitraillette dans un pays armes de guerre illégal et pour ça le prend prison et il la gueule sans jugement. Donc ça c'est youn. Ça c'est moun ça qui fait accusation. Et en partant tout, m'a profité rappeler affiliation que Anel Belizer gagne avec oligarque Boulos. OK, d'ailleurs il y a une vidéo qui est sortie côté le temps mandé militant travaille ensemble avec monsieur Agboulos. Donc moi à partir de moment que moi que Anel Belizer a recommencé son campagne menti bluff avec fake news, OK, même questionner qui monde qui d'elle et m'a demandé est-ce que c'est pas même Boulos ça qui d'elle monsieur Capo il fait ça parce que aucun monde ça va en position que me prend le maman de justice pour Jovenel. Donc ça c'est du côté OK messager. Parce que l'on a traité un problème pour regarder qui est-ce qui vient dans le message là. Deuxièmement, l'a parlé de 200 Galilée. OK, 200 Galilée là. Mais mon document là, OK, c'est que moi trouver dans archive, mais parce que quand même pour qu'on garde archive, l'on c'est premier ministre son pays, justement pays tant qu'en Haïti côté au gain des monde qui a vienne faire de fausses accusations sur pour qu'on gagne dossier là même. OK, qui ça document est? Alors partage avec nous document. Mes documents, c'est un certificat définitif même, d'accusé de réception d'armes à feu. Mais là, m'a appelé pour nous. La direction de la logistique a accusé réception de la compagnie AmeriJet le 8 août 2013 pour le compte de la police nationale d'Haïti
les matériels de Israeli Weapons Industry, de fabrication d'Israël. Et mes spécifications, amis. Ça, sont accusé de déception de la police qui recevra les armes pour la police nationale d'Haïti qui met dans le dépôt direction logistique là, qui est dans l'académie et qui démarre toujours. Premier commandement, premier loi, il recevra le 5 mars 2013, 200 fusils Galil. Le 5 mars 2013, 200 fusils Galil. Et c'est de commandement ça que Anel Belize a parlé. L'heure du monde, c'est à Salim Souka avec Laurent Lamothe. Je vais profiter de rappeler Laurent Lamothe, chef gouvernement, chef CSPN. Salim Souka, directeur cabinet, premier ministre. Pour rester selon les faits. Le 11 juin 2013, une quantité de 500 fusils Galil que la police l'a recevoir, du modèle ACE-22, calibre 5.56, couleur noire, Mac Galil. Le 8 juillet 2013, on l'autre lot de 300 fusils Galil qui vini, qui c'est ACE-21, noir, Mac Galil. Pour un total de 1000 fusils Galil, et signé par la direction de la logistique, par le directeur de la logistique, M. Yves Stark, alias Chupa. Mais, moi, j'ai posté sur Twitter, moi, tout, une série de documents qui gagnent pour eux avec, justement, accusé de réception de ZAM. Ça veut dire que ZAM, 1000 ZAM, ça a été commandé pour unité spécialisée. Et, ils ont été distribués en deux lots. C'est un premier lot, il y a 600 en tout, qui allait pour unité palais national, USGPN, 4 teams, USP. Bon, l'autre lot de 400 qui était distribué pour l'autre unité spécialisée, la police là, telle que UDMO, CIMO, SWAT, BRI, etc. Donc, ça c'est distribution. Nous gagnons tout, contrat qui fait entre l'État haïtien, donc la justice et la sécurité publique et Israeli Industries. Nous avons un contrat ça qui posté sur le compte Twitter Adlorant Lamothe avec le compte Instagram, nous avons pas aller pour nous aller. Et donc ceci, il s'agit de un commande d'armes qui fait parce que bandi ont gagné plus d'armes que la police. Bandi ont gagné plus d'armes que la police. Raison ça fait que une sécurité à ces commandes, non seulement 1000 Galil, mais 15000 pistolets Taurus avec 5000 fusils 12 qui étaient commandés pour renforcement de la capacité de la police nationale d'Haïti qui recevra en trois lots. D'accord, c'était pour la police nationale. Est-ce que l'autre était premier ministre, chef CSPN? Mais Valérie, mais regardez mes amis, ça dit que là n'a pas information comme ça. Là m'a attendé et ancien député Anel Belize a parlé, il dit que Salim Souka devine chercher 200 Galil. Mes amis, 200 Galil, c'est la comme soit chercher son sac dur. C'est pas comme si on cherche un sac de café. 200 Galil pour logistique, pour déplacer 200 Galil. C'est bon, simple que lié. Donc, mon yon prend pas la comme si 200 Galil ou quand on sortit, d'avoir mis le sac dans la machine, dans des machines pour marcher. Oui. Mais faut, c'est une commande officielle. Et nous gardons nos documents. C'est une réflexion. C'est une commande selon la règle de la. Officiel. Nous gardons nos documents. C'est ça, nous avons signature nous-mêmes, nous avons saut. Gouvernement à l'époque, mais quand même, ou même d'après le pose aux questions, ça, comme premier ministre, chef CSPN à l'époque, ou t'es au courant, ou t'es même témoin que ZAM ça a été arrivé à le joindre la police, parce que nous voyons que la police accusait réception ZAM, non, c'est vrai, son document qu'on a nous, mais est-ce que vous êtes au courant que ZAM a joindre la police, ZAM ça a nous dit, Galil ça a. Ok, Galil, premièrement, comment vous faites basé sur spécification de la police? C'est pas Laurent Lamothe ou bien maintenant le gouvernement qui décide, mais ça va l'acheter. La police l'intègre des spécifications qu'elle baille et que nous respectons au niveau CSPN. Alors CSPN, pour m'expliquer qui ça lie, c'est que c'est le Conseil supérieur de la police nationale qui gagne en tête de premier ministre, assisté par son chef de cabinet, qui gagne chef de la police, qui gagne inspecteur général de la police, donc le haut commandement de la police qu'il a, qui gagne ministre intérieur, qui gagne ministre justice, et d'ailleurs c'est le ministère justice qui passe comme maintenant. Parce que c'est le seul ministère habilité à faire des commandes d'équipement pour la police. C'est le seul ministère qui est habilité. Et c'est eux-mêmes qui font. Ensuite, l'on a commandé des armes dans le pays.
c'est pas comme si on a commandé du sucre. L'offre commande ça pour que pays à lui-même li bossa yon une licence d'exportation, c'est le export permit pour assurer que zam ça yon commandé que y a batterie pour force sécurité pays a. Ça c'est un. Deux, pays transit là qui c'est pays Canada parce que pas de gain vol direct entre Israël avec Haïti pour que comment yo te transité à travers Canada et li entré dans Amérique jet et c'est ça qui dit dans document de réception ça OK que et date que recevoir équipement tout reste là c'est voyer monter c'est monde qui a fait amalgame et c'est monde tout qui a cherché détruit image Laurent yo ka essayer faire mais bilan il est indiscutable. Nous comprenons ça, mais et nous avons un rapport quand même avec les pays États-Unis. Et une question, alors, informez-moi si je peut-être pas d'information. Ça, pourquoi ça nous commande des armes dans le pays Israël? Pourquoi ça c'est Israël nous commande des armes? Parce que spécification galée de c'est Israël qui fait, et c'est ça la police a demandé nous. C'est les nous faire. Ok, si nous comprenons bien, c'est ça la police m'a dit nous que, ou même comme premier ministre, ou exécuté. Donc, comme Galil, c'est Israël. On dit c'est Israël qui fait, qui manufacture, nous dit. C'est pas comme Premier ministre. Oui, c'est Israël Weapons Industry. C'est eux-mêmes qui fabriquent et mitraillette Galileo. Et par exemple, la question que vous posez, que vous rejoignez Galil Jamaïque, que vous rejoignez Galil dans mes bandits, ok. Moi, je retourne à la date que je suis là. Je suis là de mai 2012. À décembre 2014, 12 décembre 2014. À partir de là, je suis au courant, je suis responsable parce que je suis pas en fonction encore. Ça fait tellement de chef la police là, fait tellement de monde qui était en fonction yo, de date ça yo leur reconnu. D'ailleurs, si nous la police là vient tourner pratiquement alors pas toute police là, certains mauvaises graines dans la police là, yo vient nous repère de bandits. Donc, ou vin gagne un paquet de policiers tout, qui démissionne, moun yo révoqué, ou gagne un Phantom 509, ok, et pendant les derniers 8 ans ça. Donc, chaque moun zate gagne, si yote nan unité spéciale, yote bon zam nan men yo. Donc, yon doit vendre zam yo, yon doit à la zam yo. Et puis, une fois yon fini à la zam yo, yon vin tourne koun yala, zam za yo, vin tourne des zam de bandi. Donc, si vous voulez. C'est ça. Mais c'est des bagages pour demander aux autorités qui étaient là, le ça a fait là, pas autorité qui étaient là 8 ans avant. Nous comprenons ça. Et on anticipe un petit peu sous côté d'après le vigneur. Toutes les démarches, c'est pour te venir joindre information qui fait qu'on est que justement, Zam Sayo, ou tu as parlé de Calibre Sayo qui c'est Marc, là, c'est Galil, nous rejoignons au gang qui est le gang Galil, qui justement basé sur question le fait que tu as gagné, tu as possédé, tu as joué Zam Sayo dans le maillot. C'est là que nous avons venu. Encore une fois, pour nous retourner, nous avons des questions sur sanctions que le pays Canada prend contre trois grandes personnalités, ou c'est Younan Yo, on a précisé ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Henri Seyan, et vous-même comme ancien premier ministre PIA. Côté que nous influencer la politique PIA, nous, à distance, de près ou de loin, nous dit, nous financer gang yo, nous bail gang yo zam, c'est ça qui fait nous faire tout parler ça yo. Et je dis, mais ou même qui est obligé de prendre avocat pour défendre tout. Alors, question ça, qui genre que. La question à poser du moins c'est qui genre sanctions ça yo affecte à nous dit. D'abord, est-ce que yo dit que c'est des sanctions financières au niveau nous a dit yo bloqué compte finance nous, est-ce que yo déjà entré en fonction, est-ce que compte en banque dans la mode bloqué dans moment là? Bon, moi pas gagne contre Canada. Donc sanctions ça c'est des sanctions. Moi son monde moral, ça veut dire que moi gagne éthique. Moi gagne famille. Moi gagne honneur. Donc, sanctions ça, le yal traîne dans la boue, ça va même faire investigation parce que ou dit que nan gang. Ok, mais qui gang? Parce que y a 200 gangs dans le pays. Qui gang? Qui le? Comment? Côté cop la sortie? Comment cop la arrivée? Comment cop qui te baille? Ou pas un gros pays, une des plus grandes démocraties. Et pour entrer dans le monté, et wap ba de commentaires spectaculaires. Et puis, côté li, soit dit que nan gang, mais à ce moment-ci, vous pouvez venir avec, et c'est pour ça que je demande. Réponse question, ça n'a pas besoin de en privé, non? Mais tu es en public, pas moi, ça gagne. Ou pas besoin, nous avons besoin de vous cacher, mais tu es tout ça gagne en public. Pas dit que je suis en gang, mais moi, je dis qui gagne, qui le, qui joue, qui boit.
comment code a entré, qui gang mal financé. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on gros pays comme le Canada. Ou pas rentrer dans zin, ou pas rentrer dans revanche politique et pour pas faire travail l'autre cause qui a cherché détruire depuis plusieurs années et puis c'est dans couloir ça rentrer pour faire. Parce que là couloir ça, OK, couloir que vous choisissez, qui c'est couloir financement gang là, son couloir qui pas passé. Il a essayé de mettre dans la criminalité, il pas passé. Tout le monde connaît et tout le monde well, tout le monde vive que sous le la mort gang yo té mis hors d'état de nuire. Pas de gang qui t'a fonctionné à partir du moment que la police la vient gang ça joine gang yo arrêté yo à partir du moment que yo joine moun dans l'arrière qui gen zam yo mettez en barcode. Et moi pense que ça l'idée d'autorité publique c'est pas prendre personne là. D'accord, ou répond évidemment pour vous personnellement. Mais après rappeler que gagne trois autres noms, gagne deux autres noms à nous dit Younayo c'est ancien président Michel Martelly que neuf en tout. Oui, gagne l'autre. Alors ça cap fait actualité. On n'a pas posé aux questions directement. Bah on a question d'après sous Michel Martelly lui-même. Qui est rentré en Haïti d'après information qui vient de joindre nous dans VOA Creole qui est rentré en Haïti récemment ou gain opinion sur ça et puis bon d'ailleurs dit papa Lavelle depuis quelques temps depuis la mort de Jovenel Moïse depuis 18 mois mais réaction sur ça et qui j'en pense qu'il a réagi d'après Michel Martelly après d'après Jean Rissien quand même c'est un ancien premier ministre et bon écoute Michel Martelly son ancien président son haïtien qui doit rentrer dans le pays. Quelqu'un doit avoir une sécurité là dans le pays. Je n'ai rien de mal à ça. Son président qui a rentré dans le pays, qui a tourné dans le pays, okay? Qui n'a pas eu aucune décharge qui est retenue contre lui, qui a un pays étranger qui a mis des sanctions, mais monsieur doit rentrer. Et puis c'est monsieur qui décide ça. Moi-même, je n'ai pas rien pour moi. C'est juste que je mets mon opinion, mais je n'ai pas rien qui s'est couvert. J'ai un risque de rentrer, moi-même, je n'ai pas rien. Donc c'est juste, ça, en fait, ça dépend de choix, mon. D'accord. Pour nous finir, en conclusion, pour réagir ou nos opinions ou dis-nous qui sont pensés de sanctions yo et n'a pas retenu que ou même Laurent Lamothe, ancien premier ministre haïtien, qui sanctionné par le pays Canada, ou décidé, pas décidé seulement, ou prend déjà aux mêmes dispositions pour répondre à sanctions ça yo avec certaines de façon légale. C'est ça, nous qui avons conclu sur ça, nous avons peut-être précisé pour nous dernier point ça. Bon, dernier point, que moi-même, pour moi-même, je servi avec des sources de détracteurs, ok, qui ont même des besoins pour une réponse politique, et puis qui jouent un couloir favorable pour entrer sous le premier ministre Justin Trudeau, et puis je servi à couloir, et puis après ça, pour eux mettre non, on va dire que tout le monde connaît, c'est pas vrai. Il n'y a pas de preuve. Il va faire investigation, ensuite il va un motif parce que femme d'avoir un motif m'a financé gang à quel but t'a financé gang là alors que moi-même moi c'est mon qui a demandé trouver étranger pour venir me contre gang et puis c'est même t'a financé gang et mais on monde fou.